Je signale que toutes les stars de salsa de passage à Paris passeront dans cette émission. Nous avons pris tous les contacts avec les organisateurs de salsa ici en France. Je vais vous parler à présent d'Alberto Barros. Alberto Barros est un tromboniste, arrangeur et compositeur qui a collaboré avec toutes les grandes stars de salsa. Il a l'habitude de faire défiler les chanteurs pour un tour de chant. Et c'est un chef d'orchestre hors pair. En 1982, avec son orchestre Titan, il avait remporté le très convoité Congo d'Or, qui est un prix du carnaval de Barranquilla. On l'écoute dans la chanson « Como se menea, salsa caliente ». Un, dos, tres, cuatro. Como se menea, como se menea. La
L'orchestre Buena Vista Social Club est un orchestre cubain qui a été formé suite à la sortie d'un album best-seller récompensé au Grammy Awards. Sous la direction d'Aguayé Ramos, tromboniste et leader du groupe, l'orchestre joue les rythmes et styles classiques de la musique cubaine. Ici, la chanson que nous allons suivre, je crois que les Congolais de Brazzaville et de Kinshasa se souviendront, parce que la première partie de cette chanson avait été reprise par Nino Malapé en 1957 dans l'orchestre Roca Mambo à Kinshasa. Mais la version que nous allons suivre maintenant, elle est chantée par un grand ténor qui s'appelle Carlos Balunga et Dania Valdés, qui est une jeune chanteuse qui a été au conservatoire, qui avait appris le piano classique à l'âge de 7 ans. Et cette chanson, le titre, c'est Pan Moron. Yo!
a mi hermano que está aquí hoy, mujer, un cantante importante de Cuba, mujer, Edine y Papito, mujer. Ok, yo quiero que canten conmigo ahora. À présent, nous allons suivre des images inédites de l'orchestre cubain Tropicana All-Star qui rendait hommage à Benny Moré. Benny Moré fut un grand chanteur cubain. Il est mort en 1959 à l'âge de 44 ans. Beaucoup de chanteurs ont essayé de l'imiter, mais ils n'ont pas atteint le niveau de Benny Moré. Jusqu'à présent, il est resté irremplaçable. Donc, nous sommes en mai 2003. Au stade légendaire Tropicana à Miami. Et c'est au cours de cette même année qu'Israël Cantor, qui est un grand chanteur de salsa, rejoint l'orchestre Tropicana All-Star après avoir fait son passage dans l'orchestre Los Vervants. Mais Israël Cantor est l'un des grands chanteurs de salsa qui a donné à Cuba. Mais malheureusement, il nous a quittés en 2006.
à l'âge de 56 ans suite d'un cancer. Écoutons-le dans la chanson de Benny Moré, Santa Isabel de Las Lajas.